Bonsoir tout le monde, bienvenue sous Palmi, Sakma pour la CAI. Nous venons porter update pour qui est important qui a un rapport avec immigration. US Citizen and Immigration Service, USCIS, eh bien, yo fait annoncer là que yo pral follow employé yo. Il dit yo pral follow un bon valet d'employé. Pour nous traduire plus bien, avait dit gon bon employé kandan, yo pral obligé à le voyer chita la CAI yo. C'est ça yo annoncé. Yo voye let la bay en pile employé en dan pour di yo que yo pral voye yo chita la kayo à moins que parlement ta décidé bay yo l'argent yo pa gen l'argent nan moment. USCIS ki agency ki responsable pour visa, asylum, I-120, tout form yo net. Donc il dit c'est pour sommeur là et bien li pral follow yo pour capable parce li pas capable à cause de crise et pendant crise corona pour capable faire pendant crise corona visa. Mais pendant tout crise corona visa c'est une mais il y a plusieurs causes mais qui fait USA est dans position ça administration fond politique tout qui fait ou pas rentrer comme tout sous prend le cas de TPS yo on prend haïtien 50,000 TPS batko et dit imagine ou ba konnen gen pa fwa konn fè chaque 6 mois chaque 1 an pou moun sa reprèti on pile kòb ba ou konnen la ou choisi ou pa ba TPS tout kòb sa m pran seulement 50 ayisyen pa bay lò pran tout gen 300,000 TPS pran 300,000 multiplié ba konnen konbè l konnen li ka non $600 whatever pran 300,000 multiplié pa 500 et pa 500 ba sonje combien et TPS là et whatever comme pour multiplier le par pile comme ça ou après qui valait comme que vous perdit. OK, même gens tout monde qu'on fait quatre travail donc tout comme ça c'est des manques à gagner. Même gens tout imagine au gain 800,000 Dakar prend 800,000 en multiplier par presque 500 après donc ou ka comprendre tout pendant cette administration a plein li pa rentre comme li vin pi mal pou corona visa mais li contribue tout dans les politiques de restriction la fait diminuer application décourager moun gen moins scope parce que USCIS moins rappelez nous li différent de l'autre agency au sein du gouvernement qui au même c'est fédéral là qui gon budget qui dit mais comme pour nous fonctionner il différent parce que li même comme pour fonctionner ça veut dire comme li paye employé yo c'est collection fil collecté par différentes applications qui permettent que le fonctionne. OK. Donc yo dit de et administration pour le follow, pour le voir la caille, yon bon parti dans employé. Exactement pour arriver et je dis à c'est 25 mai, nous entrons en juin, yo dit exactement 20 juillet. Donc juin donc on dit 2 mois de manière approximative. C'est justement député directeur là Joseph Elmond qui écrit une lettre li voye by workforce là jeudi mardi. Et nous voulons rappeler tout le monde gagne à peu près 19,000 employés au niveau de USCIS. USCIS qui c'est une unité en dans Homeland Security. La fonctionner sous l'obédience Homeland Security. OK? Donc yo te voye mandé le parlement, le Congrès. On dit le Congrès, pas oublier que Kobla a besoin à la fois par Sénat et député. Yo dit yo besoin $1.2 billion par an non parce que yo gen shortfall, yo budget ou pas suffit. OK? $1.2 billion. Donc yo gen tan département agence tan et département Homeland Security et component ça yo actuellement a fait des réunions avec Congrès et staff yo pour yo permettre député avec sénateur comprendre qui gens finance c'est pas tout sénateur député qui comprendre gens fonctionner qui ka pour comprendre que yo différent de l'autre agence bien que moi bon ici là me toujours a dit non ça.
et yo di a parlé avec congressman yo et yo di conversation en plus urgent pas arrêté jour encore parce que et c'est bad jour là 20 juillet arrivé y a pas obligé fort là voyant peu mon aller et objectif yo c'est pour yo ta mettre comme ça dans next coronavirus relief bill. Ça veut dire nous connaissons déjà démocrate yo voté bill ça déjà donc yo pas gain pour yo ajouter tout simplement par le Sénat. By the way, Sénat li prend ses vacances li là, il a tourné pour mois de juin, le il a tourné exactement le 1er juin. Et donc tous les deux partis yo nous connaissons yo pour qu'on fin mettre d'accord sur tout point. D'ailleurs, yon nan point nous connaissons qui gagne dans bill ça que républicain dit yo met pied sous cou yo que yo pas bail encore. C'est causé $600, yo dit pas rien pour faire au bail li. OK? Et si juillet arrivé, yo dit yo pas nan mettre $600 encore bien que gagne l'autre bagaille que yo capable entendre. Et donc puisque ni démocrate ni républicain poko entendre, j'avais dit nan moment pas là voilà et USAID dit son bagaille qui urgent. Yo pa kap tan se 25 juye apre ou bali, fwa ou ta bali la avan juye a mèm, ou kompran? Sa yi di, prese prese lò, pa biye ke lò fin vote, yon kob. Sa pou an tan pou mette, pou pase nan aplikasyon. Donk yo ta vle prese prese, jwen an la pou negosyasyon an fèt rapide, depi premier jwen arrive pa ou, pou tout bagay kler. E pi pou yo jwen kob sa. E lòk, l'autre bagaille que USCIS dit qu'il pourra le faire, c'est que y a un plan tout pour yo, justement augmenter le FIO. Vous avez dit ça. Mais il faut dire que le coronavirus a effectivement provoqué ça une drastique diminution dans le revenu. OK? Yo, vraiment, le coronavirus, vous pouvez comprendre, eh bien, pas gagné une interview, pas gagné fingerprint. Et non, non pis en pile moun tout moun yo découragé puisque yo di fè application. Bon, les moun venan fas fingerprint lan, bagay de la dossier moun pa tellement motivé fè application. Et mais fòm dou ka toujou fè application parce que son ve pa on bagay ka prete net ale d'ailleurs. Yo di c'est 3 juin, pour vous 3 juin c'est badge là. Mais tout, j'en t'explique là, gen yon bonne yon bon bagay nèg yo mette comme résistance qui fait que en pile moun pa fè application donc police qui donne à ton plan tout contribuer à réduire et revenu nèg yo à la vérité application yo USAID quand on a prévision li di près de 61% pral diminuer pour fin année et du coup on a même fait prévision la diminuer toujours pi mal 61% ka comprendre. Lorsque l'application diminue de 61%, ça veut dire que c'est 60. Si il te confesse, on a dit s'il te confesse 100 000 dollars, un exemple, c'est 61 000 dollars, il peut dire. Ça veut dire la prête 39 000 dollars. Vous comprenez ça? Ça veut dire c'est estimation au fait. OK? Donc, en deux, il dit que il recevra tout, nous avons parlé de Barbie Saint-Trump plan, moins sa application politique Donald Trump plan. OK? Fait causer un véritable problème dans ça. Donc, union qui gagne au niveau de USIS avait dit, ça n'a les syndicats, ils mettent le courant des décisions, ça, des décisions, ils prennent tout. Et donc, ils ont annoncé tout, c'est 4 juin, ils après prendre. Et ils prennent. Fait les après prendre, il va prendre des mesures tout pour que workplace soit capable safe et physical barrier, social distance, limiter qui quantité monde qui quand entrer en dedans, ce genre de choses. C'est tout bas ça qui va gagner. OK guys, nous te bon update ça et de ça qui a passé. Mon capable dit bon, qui ça gagner quand on t'a dit que ça t'est arrivé. Les gens mes employés, il y a avantage et inconvénient. Inconvénient c'est ou même peut-être qui t'a captain pile bagaille. Vous comprenez? Il y a moins monde. Avantage tout, c'est peut-être monde et asile qui dit les faire gagner mon emploi, pas café rapide, pas payer, pas qu'être en relais pour interview. Donc c'est tout ça qui gagne tout.
Ok, donc moi ça va, il y a un côté bon pour certains, il y a un côté qui doit avoir bon pour l'autre monde tout. Donc c'est comme ça que bah, là et là. Donc voilà guys, et restez branchés et nous, toutes les informations pertinentes, nous toujours apportées pour porter nous bien.